Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici la deuxième vidéo dédiée à PostgreSQL. Aujourd'hui, on va voir très rapidement comment se passe l'installation et quelques répertoires au niveau de PostgreSQL. Donc la vidéo va être assez courte, je pense, et on va y aller progressivement. Alors l'installation, c'est assez simple pour PostgreSQL. C'est apt-get install PostgreSQL 11, si on est en 11 par exemple. Apt-get install, on peut même faire apt-get cache. PostgreSQL, voilà. Et là, on check si j'ai la 11 par exemple. Voilà, donc j'ai la 11. Moi, je vais faire un sudo-s hop, apt-get install PostgreSQL 11. Voilà, donc bien intégrer le SQL dans le nom de PostgreSQL pour l'installation notamment des paquets, alors que le user, plus tard on va le voir, c'est tout simplement PostgreSQL. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Donc, le temps que l'installation se fasse, une gestion classique par systemd avec un service PostgreSQL status stop start qui permet d'arrêter l'ensemble du moteur. Après, on va voir, on reverra un petit peu plus tard comment démarrer certaines instances simplement, donc certains clusters PostgreSQL au sens PostgreSQL du terme, c'est-à-dire des instances, et puis le reload qui est extrêmement important, qui permet d'éviter les coupures de service pour notamment faire des modifications de configuration. Alors là, s'il a terminé, il va pas tarder. Donc les principaux répertoires donc à retenir. Alors premier répertoire, c'est le répertoire des configurations. C'est un grand classique, etc, PostgreSQL. Et après, les choses sont classées par version. Donc si c'est du 11, ce sera slash 11, slash le nom du cluster au sens PostgreSQL, donc le nom de l'instance. Par défaut, c'est main pour toutes, mais vous pouvez créer d'autres clusters, d'autres instances. Donc là, on va le revoir. Voilà. Donc si on va dans cd slash etc PostgreSQL, toc, voilà les configurations. Donc nous, on est en version 11. Dans la 11, on a un cluster qui s'appelle main. Donc c'est une instance PostgreSQL qui s'appelle main. Et dedans, on va retrouver ensuite tous les fichiers de configuration. Donc on reverra les principaux, c'est postgres.conf, postgresql.conf et pghba.conf. L'autre élément, le où stocke les data, pour où sont stockées les data de PostgreSQL, donc cd slash var lib PostgreSQL, et là toujours pareil, 11 main pour l'instance par défaut, et puis ensuite ici on va retrouver, on va dire, les data et d'autres éléments qui permettent le bon fonctionnement du cluster, quoi, du moteur. Les binaires de quoi, le binaire de PostgreSQL, donc c'est usrlib, hop, cd usrlib slash PostgreSQL, et ici on retrouve notre manière, hop, donc là on a un binaire, et ici voilà, on va retrouver tous les binaires de PostgreSQL, notamment le binaire qui permet de lancer PostgreSQL. Donc ici on est dans, hop, pwd. Ici, on est dans usrlib PostgreSQL 11 et la liste des binaires. Donc, on retrouve le pgctl qui permet de lancer PostgreSQL au tout début, plus d'autres binaires très utiles au niveau de PostgreSQL, notamment pour faire des dumps, etc. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément? Et on retrouve aussi dans usrbin d'autres binaires qu'on a. D'ailleurs, il y a des liens. Hop là. Donc on retrouve des pg quelque chose. Voilà, on les retrouve. Les pg dump, pg dump all, pg is ready. Tout ça, alors, si je fais un tiret l, hop, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, lui? ls-l. Ah oui. Hop. On peut se le faire comme ça. On va se le faire autrement. PG étoile. Voilà. Donc là, en fait, il s'agit, quoi, on a des liens symboliques vers des wrappers
tout simplement. On reverra ça un petit peu plus tard aussi. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de parcourir l'ensemble. Et ensuite, quand on a Postgre qui tourne, on a des process par défaut qui fonctionnent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer notre service Postgre. Donc je fais un service Postgre SQL start. Donc là, si je fais un status, j'ai Postgre qui tourne. Si je fais PSAUX grep Postgre, si je fais un F, voilà. Et donc là, on retrouve hop, notre Postgres. Alors, on l'a ici, voilà. Ici, donc, on a le process mère de Postgre, ici, qui tourne. Et derrière, des forks, qui sont des processus qui permettent le bon fonctionnement du moteur. On verra ça plus tard aussi dans le détail un petit peu, le rôle de chacun de ces processus. Ce qu'il faut retenir, c'est que Postgre a un processus central, pair, qui est Postgre, qui se lance avec donc la localisation des datas avec un tiret grand D, donc varlib data Postgres main, ça on l'a vu, et la localisation de son fichier de configuration qui est dans slash etc PostgreSQL 11 main et PostgreSQL.conf. Et c'est à partir de là que se lance Postgre. Voilà. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui et on fera une autre vidéo quand on rentrera petit à petit dans le détail. On va essayer de rester sur des vidéos courtes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.